Et salut, et petit sujet particulier aujourd'hui, parce qu'on va pas forcément parler de vidéo, mais d'un autre projet parallèle qui est lié, mine de rien, à Arcolocris, qui va mêler deux de mes passions que je fais actuellement, parce que vous le savez peut-être ou pas, mais j'aime aussi créer des jeux de société, et j'en ai déjà quelques-uns à mon actif, même s'ils sont pas publiés officiellement, mais j'en ai quelques-uns en tout cas chez moi. Et donc combiner la création de jeux de société avec mes vidéos Archéolocrix. Et du coup, je crée le jeu de société Archéolocrix. Voilà, c'est pour le fun. Vraiment, j'avais envie de mixer un petit peu ça pour m'amuser. Donc voilà, voici le dossier donc du jeu Archéolocrix. Je vais vous le pitcher très rapidement aujourd'hui dans cette vidéo. Le principe du jeu, c'est quoi? Vous êtes à ma place. Vous êtes un youtubeur qui essaye de faire donc des vidéos d'histoire et d'archéologie. Et l'objectif final du jeu, c'est d'atteindre les 1000 followers pour être monétisé. Voilà, c'est l'objectif du jeu. Comment ça se présente? Ça va être un jeu de cartes dont la mécanique principale va être du deck building. Alors le deck building, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, on démarre avec des cartes de base, elles sont ici, cartes de base qui sont un peu moisies. Et ces cartes de base vont nous permettre d'acheter des nouvelles cartes, comme celle-là, qui sont de plus en plus efficaces, de plus en plus puissantes pour améliorer son jeu au fur et à mesure. Voilà. Donc où j'en suis actuellement, voilà que j'ai ça, j'ai pas grand-chose. Donc il y a les cartes contenus. Donc ça va être les contenus qu'il y a dans la vidéo. Donc vous voyez par exemple le mauvais son micro, oui, les premières vidéos c'était dégueulasse. Schéma explicatif, caméra tremblante, et oui, au début c'était dégueulasse aussi. Ça, c'est les cartes de base, tu vois, elles sont pourries. Et après, on en a d'autres, frise chronologique, cartes personnalisées, shorts sur TikTok. Et en gros, ça va donner quoi ces cartes? Il y a trois paramètres. Ici, en noir, avec le petit logo, c'est les vues, avec un œil. Cette carte donne 50 vues. Les vues, ça sert à quoi? Les vues, c'est la monnaie du jeu, qui servent à acheter des cartes. Vous voyez qu'en haut, il y a toujours un coup en rouge en nombre de vues. Oui, pour améliorer tes vidéos et pour avoir envie de continuer, il faut avoir des vues pour se motiver. Voilà, donc du coup, tu récupères des vues pour acheter des nouvelles cartes pour pouvoir améliorer tes prochaines vidéos. Ensuite, on a quoi? On a ici, ça c'est le logo pour gagner des abonnés. Là, je gagne 10 abonnés directement en jouant cette carte. Donc, il faut arriver à 1000. Et ici, le petit pouce avec un chiffre, c'est la qualité de la vidéo. Ça permet de fixer la qualité de la vidéo. Alors, au début, voilà, les cartes de base, elles sont moisies. C'est tellement, voilà, mauvais son, caméra tremblante, forcément, ça avait des effets négatifs sur la qualité. Et au fur et à mesure, on va remplacer ces cartes par des nouvelles qui vont permettre, plus on a une meilleure qualité, plus ça va faire venir des abonnés également. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire plus. Où j'en suis actuellement, il n'y a que ça. J'ai commencé quelques cartes sujet. Alors sujet ou quête, je pense que je vais garder sujet quand même. Parce que c'est un sujet de vidéo. Et on reste quand même du point de vue du youtubeur qui prend des sujets de vidéo. Voilà. Bon. Je pense que je vais garder ça. Donc on a sujet, on a les contenus, on a les artefacts qu'on va récupérer, dont le fameux orbe de Cétrus qui ramène beaucoup de followers. Et on a les soutiens qui sont des cartes spéciales qu'on peut prendre ou non à chaque tour pour nous donner un petit bonus. Voilà. En gros, et il manque les cartes événements que j'ai pas encore fait. Ce sera pour une prochaine fois. C'est tout. Là, et là, j'ai mes fichiers Photoshop qui me servent à créer mes cartes au fur et à mesure. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À toutes.